Mesdames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV. De partout où vous nous suivez, c'est un plaisir pour nous de savoir que vous êtes encore une fois en train de nous capter, en train de nous suivre. Et de partout où vous nous suivez, de tous les coins du monde, du nord au sud, l'est comme à l'ouest, vous nous suivez, nous disons un très grand merci parce que votre fidélité nous honore. Les dames et messieurs, chers téléspectateurs, encore une fois de plus, bienvenue à suivre ces nouveaux numéros de ce mardi 23 janvier 2024. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons plusieurs actualités ou plusieurs informations auxquelles nous allons porter notre analyse, auxquelles le débat n'a pas été causé, auxquelles Oyo, Toko, Betela, Binoli, Solo, Bonima, Solo, Zoleka, parce que nous sommes à l'est de la République, comme vous le savez très bien, en direct de la ville de Goma, place Oyo, Bozolandanga, place Oyo, Nazolo Bela, c'est-à-dire Masoulezo continue. Trobeta Masolo, ce qui concerne la mission à Sadek, Nengeboyebi, mission à force à Sadek, Oekoma qui est à l'est de la République, Oezana, mission offensive. Comme ils nous ont fait savoir, ils ont une mission tellement offensive et ils sont à l'est de la République. Et leur mission est à Koya Kosilisa Bitumba. Rétablir la paix à l'est de la République, Waneza mission à Bango. Trop développer encore une fois de plus la situation qui s'est déroulée cette hier dans le territoire de Nyiragongo, non loin de la ville de Goma, à quelques kilomètres de la ville de Goma, comme vous le savez bien, la ville de Goma attachée au territoire de Nyiragongo, c'est pas vraiment Moussika, il y a une situation qui se déroule de l'autre côté cette hier-là, entre les M23, les Ouazalendo, mais également les FRDC, Babombe, Koyaki, Bokoye, vous allez savoir. Ces bombes-là venaient du parti de, venaient de quel parti? Ces bombes-là venaient de qui? Qui les lançait? Ensuite, on parlera de la situation dans les Masisi. Après, dans les Masisi, on va parler de la situation qui se déroule actuellement dans les territoires de Rutshuru. Comme vous savez très bien que dans les territoires de Rutshuru, une partie est occupée par les terroristes du M23 ou la rébellion du M23. Une partie des territoires des Masisi, une petite partie, pas une partie, mais une petite partie du territoire des Masisi, également occupé par les, terroristes du M23, mais également une petite partie du territoire de Nyiragongo. Yango Pesa occupé Naba Rebelle à M23. C'est-à-dire, Masolo te redéveloppe les lots et que Zala autour y a situation, y a Bitumba, autour y a situation sécuritaire. Autour de la situation à Munguna, à Komiliwapi, comment est-ce qu'il est en train d'avancer? Où est-ce qu'il est présentement? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quelle est sa situation? Bienvenue à suivre les détails, bienvenue à suivre nos analyses du jour. Les dames et messieurs, place Nyoso, Bozulandabiso. Devant la presse, ce lundi 22 janvier 2024, la SADC News précise que son objectif est de pacifier l'est de la RDC et cela peu importe la voie qu'il utilise. Lobby, lobby, lobby. Comme je vous avais dit, le secrétaire Elias Magossi, le secrétaire exécutif de la SADC, est à Goma depuis un certain temps. Il est venu pour mission d'observation. Il est venu pour mission d'inspection, savoir comment se comporte la SADC, comment se comportent les troupes qu'ils ont envoyées au sol congolais, comment est la situation, quelle est la situation qui continue jusqu'à présent dans la région. Qu'est-ce qui continue? Qu'est-ce qui évolue? Comment est-ce qu'ils avancent? Comment est-ce qu'ils se comportent? Ainsi, Elias Magossi est venu. Il est là, on était avec lui cette hier-là, on lui a entendu, il nous a expliqué l'objectif de la SADC, il nous a expliqué le pourquoi de la SADC sur les sols congolais, il nous a expliqué pourquoi est-ce que la SADC jusqu'à présent n'a pas encore commencé sa mission qui est offensive. Il nous a tout expliqué, au bas des détails, Naropé Sabino Lelo. Lui, d'après lui, il a dit,
si ça nécessite que eloko ezala a yako betana, si ça nécessite que biloko ezala ya bitumba liboso, nous la SADC nous allons faire ça. Nous la SADC nous allons nous livrer à la guerre. Nous la SADC nous sommes venus pour faire la guerre. Ça ce sont les confirmations du secrétaire exécutif de la SADC. Il y a tika ki koloba lobby wana ebisike. Non, ba ye mission ya bitumba. Il a expliqué ndenge to explika kabino ka 16 membres, 16 pays membres ya SADC oh en Afrique. C'est-à-dire ceux qui ont simbi moko na kati nango. Ti a faire avec à ces 16 pays. Balobina bango pourquoi bandano ba bandité, balobino il y a des choses au ba régler mais d'a pas longtemps ba ko lancer mission na bango ndenge ezakaka. Mais ce qui est certain est que M23 est commis en sortir T. D'ailleurs, balance qui colobake non M23. C'est qui baza mayele ava ba mission e banda ba mi retirer. Ce qui baza mayele ava ke ba mission e banda ba mi retirer. Parce que offensivité oyo ekosalema. Munguna kozwanzela te. Eloko oyo bango bakobanda. O confirmation ya magosi wana pesa kilobi. Alobi eloko oyo bango bakobanda en collaboration avec la FARDC. En collaboration avec les Wazalendo. Les gens que vous soutenez depuis longtemps. Bakomi en sortir te. Na parti na bango M23 balobi nini? Na parti na bango est-ce que M23 et yebili kambo yango ndenge zokende. Na parti na bango M23 certains d'entre eux babandi ko mirandre. Certains d'entre eux décident de se rendre. Certains d'entre eux sont capturés par le FARDC. Babandi ko zwa bango déjà. Babandi ko zwa bango. Mais bango bazana motivation ndenge bayo ndenge on avait écouté. Erbakoma qui va lobby que notre Togolia fête na Goma. Ça, c'était une précision. Il faut toujours le dire. Si ça va faire mal à ces M23 Bakolanda émission, il y a Congo Live TV et Salamabe. Mais, Bazala qui a la précision qu'il fallait venir dans la ville de Goma, Bayako fêté dans la ville de Goma. Mais ils ont été bloqués. Lorsqu'ils avaient entendu que la SADC est commis, les choses ont changé. Les choses ont percuté parce que bah, il y a que SADC est en mission offensive. Bayaka Bitumba, il vient toujours pour faire la guerre. Nous attendons voir. Ma promesse est si comme il est belé, depuis que la SADC est arrivée, qu'est-ce qu'ils sont en train d'attendre pour commencer le boulot? Bon, on observe. On observe. Nous attendons que SADC mission na bango e banda. Un jugement, je voulais m'adresser à tous les Congolais. Un jugement sera porté après que les faits sera donné. To banda rejugé bango te. Te. Wana entre parenthèses, to banda rejugé bango te totala. To observé. Ce qui va bandi msa na bango, bango pe ba échouer. Ce qui bango pe ba longi, là on saura. Là, on saura ce qu'on peut dire à leur sort. Si la population va encore se venger pour les faire quitter sur les sols congolais, bon. Aux Alikambo, tout total. Parce qu'il concerne hier, Ndelikambo ya SADC, et Tikaï Koloba, qui est basé dans la mission offensive d'ici la Bakobanda, que les peuples soient vraiment posés et que l'M23, ceux qui vont me retirer, vont me retirer. Parce que lorsque la mission offensive na Bango Kobanda, Bakozoa Nzela, Bakozoa place Oyo, Bakoki Mela à T. Lobby wana bitumba na kati ya territoire ya Nyiragongo. Comme vous le savez très bien, le territoire de Nyiragongo se trouve non loin de la ville de Goma. Non loin. C'est-à-dire, Moutouzo qui a commis la Nyiragongo, il a l'espoir d'entrer dans la ville de Goma. Ce qui Moutouzo a koti na territoire ya Nyiragongo, a commis la foi. Il y a beaucoup dans la ville à Goma. C'est-à-dire, ceux qui ont commis Jérusalem, à Ebikana, à Zokot, ne sont pas les Alliés.
Tuka komi kana na yebi Jérusalem azokoma. Ndebo li kambo ezali. Sko, lobby, c'était lundi, hier, 22 janvier 2024, où les bombes, benga nebisa ki bino keno, lobby bitumbe zala ki, entre Wazalendo na M23. Ezala ki ndengenini. Ezalaki ndengenin. Combat M23 RDF Wazalendo FRDC, c'est début de ce lundi 22 janvier, des affrontements entre M23 RDF et les Wazalendo à Kanyamaoro dans le territoire de Nyiragongo, province du Nord Kivu. À Kanyamaoro, c'est dans le territoire de Nyiragongo. Dans le territoire de Nyiragongo, c'est au Nord Kivu, dans la province du Nord Kivu. Voilà un début de Mesala Kilobi. Bazalendo va bêta qui M23, donc va bêta qui bango sérieusement. Oh, bozo yoga que non. Bakoufa qui, ya de Wazalendo qui ont été tués. Ils ont subi des charges. Lukuta. Oh, ba petit Bazalendo wana bazo sala. Eza eloko bazo tila frein. Nazolo babango baza frein. Ya M23. Parce qu'on peut le dire. Ba M23 tiero bazo bango Bazalendo. Faut le dire. Ba petit wana bazo déloger bango comme pas possible. Bazo tila bango pour abande konabiso a Bazalendo ba déloger bango. Bazo tila bango pour ba kimisi bango. Alors, cette hier-là, Nicolas y a poua Oyo Wazalendo Watila qui M23 a commencé à lancer des bombes. M23 a commencé à larguer des bombes. A lancer qui va bombe. Alors, bite, bitoumé, comme il m'a cassé. T'es précieux, comme il m'a cassé. Il faut que je lance les bombes. M23 bando lance ma bombe, le buon. De Nabatou Bazala qui. Non, l'icolo ya ville de Goma qui veut l'approcher le territoire de Nyiragongo babando yo ka bombe wana nde na ebisa kibino. Il faut qu'on commence à vous faire le direct ndenge lobi wana ele kito komi na dali Nyiragongo. On arrive là-bas, on vous fait un direct de ce qui se passe réellement. Place ba bombe kweleli, place yezaboe, tous les détails tope sibino. La société civile locale affirme que les combats sont signalés sur l'axe Kanyamaoro-Buhumba, côté du parc national de Virunga, où des armes lourdes et légères sont entendues depuis cet avant-midi de cet hier. Depuis cet avant-midi à Lobiona. Barme Bando Yokana. Maintenant, il y a un problème que je vais vous signaler ici. Il y a un sérieux problème. Sérieux problème, Zanini. Lorsque les M23 sont bâtis par le Wazalendo, lorsqu'il y a une frappe de FRDC ou de bombardement à FRDC, bah M23 va bandir au Kimela, na parc national, ya Virunga. Lorsqu'il y a des frappes qui surgissent, dans l'autre côté, bah bandir au Kimela, wapi, na, dans les territoires. Na parke ya Virunga bakimeli na kati waneza patrimoine national na biso waneza eloko UNESCO tila motema. Ça sont des choses auxquelles repose l'espoir de la nation. Mais les rebelles du M23 bazo hasardé. Ça sont des waneza ba hasard bazo sala. Ça c'est oser plus loin, oser plus grand. Mais bango bazo tala yango te. Bango bazo mona ba risque o ba okurirte. Me ba kimeli nakati ya park. Certains Congolais ba bandi ko loba non, apparemment o gera ya park à cause de la derrière se fait. Comment est-ce qu'ils ne veulent pas dénoncer, ils ne veulent pas dénoncer ça? Monsieur Demerode, Emmanuel Demerode. Si bien le nom je me rappelle, Emmanuel Demerode, des trucs pareils, des noms comme ça. Si les Congolais, certains Congolais, mais pourquoi est-ce que Demero a dénoncé le Kouanate? Elle a dit que le parc de Virunga. Mais ça, c'est un danger.
bakokimisa bango pandake bafandi na kati ya park ya Virunga. C'est ce qui s'est produit à Masisi. Bazokimisa bango basi bakei kofandela na bandako ya ex-président ya République Joseph Kabila. Basi bafandi na ferme na ye. Lui ne sait pas ça, il ne sait pas où il est où. Pendant qu'il est en Afrique d'ici, il est en train de poursuivre sa mission. Il y a scientifiques et tout le reste. Bah M23, bah Kimisi Bango. Il voit que non, ton côté là, Aba Oye Bate Sotofandi. Bakoti na banda kwana. Heureusement, les Soukou les a repérés. Bah ça qui bombardement. Est-ce que bombardement peut être ça, les Manakati à Parc? Non, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. On ne peut pas bombarder dans notre parc. Non. Non, parce que s'il y a des bombardements qui intervenaient dans ces parcs, nous aurons perdu beaucoup de choses. Mais on est de perdre. On est à GM23, ça c'est le jeu que l'M23 tente de jouer sur. Parce que Yébike, jamais faire de ce qu'on bombardait dans le parc. Parce que c'est nous qui allons perdre. Bazo qui met dans le parc. Bakimeli na park. Bazunzela bakatisi na park. Ba installer ba bombe na ba arme na bango pene ya park. Non loin ya park. Ba boyi balobi na bango ke non bakotika Congo te balingika dialogue. Mais mon konzi ya mboka si ya boyi. Le garant de la nation a refusé ça. Aboya kala. Il a refusé que non pour qu'il a dialogué na batouana, je rappelle bien aloba ki yango. Le dernier jour, le premier jour de sa campagne, il a déclaré ça dans le stade de martyr. Que non, Moukoloye, a ko dialogue à Kanabatouane, et ça, Moukoloye, a ko zongaka. La rentrée du Seigneur, rentrée en Zambé, rentrée à Jésus, ne a ko dialogue à Kanabatouane, et ça, les loté. Ça fait plus de 2000 ans, les gens entendent qu'ils reviennent, mais ne reviennent pas. C'est-à-dire, ils ne dialogueront jamais. C'est-à-dire, Bako Sololaka, jamais. Si les rebelles, Balingi ba dialogue, Eko Simbate. Si les rebelles, Bazo Luka Elo Kwane Salema, Eko Salema, jamais. Parce que le gara de la nation a déjà refusé Elo Kwana. Mais pourquoi est-ce que les M23 ne veulent pas se retirer? Pourquoi est-ce que les M23 résister sur les sols congolais. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas se rendre? Pourquoi? Ce que comme il n'y a pas Moutoumoutou à boy copé sur le congolais. Mais ils sont en train de perdre des hommes. Chaque jour, il y a un bombardement. Bazo Bungi Sabato. Ce sont leurs hommes, ne bazo Sila. Mais, bazo Ndimate. Bazo Yokate. Les Kambangos ont continué, mais Bazo Yokate, Bazo Ndimate, dans le territoire de Rutshuru, Basi va commis la débandade. Dans le territoire de Rutshuru, Batouana Bazo Kima. Batouana Bazo Palangana. Mais Bazo Ndimate, Bazo Ndimate, et le Kouezo Salima dans le territoire de Rutshuru, Bazo Ndimate, Baboyi. Mais quelle sera leur suite? Quelle sera leur fin? Désinstabiliser la population. Toki qui n'ont besoin d'installer ba Mandouki na bango à côté à ba hôpitaux, à côté à ba école, à côté à ba camp à ba déplacer. Mais la fin. La fin sera quoi? Mais la fin. Quelle sera la suite? Mais la fin et kozala ndengenin. Bango ne va se perdre. Ils ne respectent même pas les droits de l'homme. Ils ne respectent pas ça. Nos sources dans les routures, bazo le bakeno, batu bazo nyo kwa makom pas possible. On emprisonne quelqu'un, on a reçu un acteur de la société civile qui nous a fait savoir. Un acteur de la société civile dans le territoire des routures. Oh, ebisa ki biso ke non, et loko o yo le dans le territoire des routures, bazo emprisonné batu, bati bango na kacho, ces gens-là n'ont même pas droit à quoi qu'il soit. Ces gens-là bazana droit té. Il y a Kolia, il y a visite et l'autre côté. Batiel Batou, 18h. Batou Nyosu Bakangi Misala. Circulation Bungi. Circulation Katani.
yakozonga ekomi jusqu'à ce que kozala 6h ba ordre bazotia. Les gens n'ont pas le droit à la liberté d'expression. Ezate bango bazosala oyo bango balingi sur le peuple congolais. Le gouvernement congolais faut saisir les Kambouana et mon aboni et qu'on libère bana nango bana nae plutôt oyo bazo souffrir. On va finir avec cette nouvelle. Yamabe et pas na bango. Yamabe et pas na bango. Parce que ceux qui sont entrés, oh ils ont comme la bango, ils a eloko oyo. Yasoni, yamawa me bazon zimate. Frappe de base rebelle par l'armée congolaise dans l'est de la RDC. Le M23 RDF se camoufle actuellement dans la population. Bazomi camoufle dans la population. Des jeunes de Rutshuru, un des territoires occupés par les rebelles du M23, dénoncent le fait que le M23 transforme les maisons des civils, les hôpitaux et des églises à des bases militaires. Une situation qui, selon ces jeunes, change des habitations à des cibles potentielles à détruire. Elba Kei Komi tient na hôpital. Parce que ba ebi que les FARDC ne vont pas bombarder l'hôpital. Ba ebi que les FARDC ko bombarder ngote yango ba ki ko fanda wana. Mais ba repérage ezali. Ba bandi ko kima. Parce que frappe o ya suko ici CH4 wana yokela ngo musika ndeko yoka ngo musika. Yokela ngo musika. Voilà donc les informations à l'est. Voilà donc la situation. Si on parlait dans le territoire de Masisi, les opérations continuent entre les Ouazalènes de l'M23. Les opérations se poursuivent, les combats se poursuivent. Donc c'est ce qu'il faut noter. Voilà un peu les détails qui sont en notre possession pour ce matin. Voilà un peu ce que nous avons prévu de vous apporter pour aujourd'hui sur Congo Live TV. Bas détails, Oyeza, ce qui concerne Munguna, FRDC et Munguna. Na partie à Munguna, na partie à FRDC, na partie à Ouazalendo. Voilà ce qui concerne Bailoko, Oyo et Zoleka. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, nous avons l'honneur de venir devant votre auguste autorité, on peut le dire. Nous voulons bien vous rappeler ici que nous avons lancé depuis le 15 janvier un funding driving. Driving, certains le disent, raising, certains d'autres le disent, mais je voulais préciser que Tolansaki Nabiso. Appel de fonds, on a dans le sens que nous avons l'insuffisance de matériel, nous avons besoin qu'avant que la SADC lance sa mission, que nous soyons déjà sur le terrain et que nous soyons capables à vous transmettre, à vous diffuser, à vous faire des directs de ce qui se passe, comme la situation qui s'est passée hier dans le territoire de Nyiragongo. Nous avons tellement besoin de le faire et nous avons l'insuffisance de matériel. Alors, quant à ça, si vous pouvez avoir une caméra, un trépied et tout le reste qui concerne pour réaliser un beau travail, alors n'hésitez pas à nous venir en aide. Si vous avez un 10$, un 20$, un 100$, quelque chose déjà, venez nous aider également à ce numéro Orange Monnaie que d'ailleurs je vais distribuer ici. Je vais vous dicter ici. Vous êtes à Washington, vous êtes aux États-Unis, vous êtes partout. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous dans les bains de nous soutenir parce que c'est ça aussi être un. Mouzalendo, c'est ça aussi être un patriote. Vous pouvez nous venir en aide, vous pouvez nous aider et cela nous fera du bien lorsque nous allons réaliser cela. Pour l'amélioration du travail que nous faisons, les dames et messieurs, que ça vous plaise de nous aider à l'Est de la République, cette équipe-là, nous sommes une équipe à l'Est de la République de Congo Live TV pour la couverture de tout ce que vous voyez, de tout ce que nous faisons. Pour commencer à vous faire le direct et tout le reste, les dames et messieurs, vous êtes en train de me suivre. Qu'il vous plaise de nous venir en aide. Alors, notre numéro Orange Monnaie, c'est sur le plus 243 80 83 06 802. Plus 243, je réitère, 80 83 06 802. C'est un numéro Orange Monnaie auquel, si vous nous venez en aide, vous pouvez passer pour ce numéro. Pour MoneyGram, mais également Western Union, les noms que vous pourriez trouver de l'autre côté, ça sera Youssoufou Kibingila David. Et pour un numéro privé, je suis joignable sur WhatsApp, sur le plus 243 9
93 46 71 93. Je vous remercie de nous avoir suivis depuis le début de cette émission. Je suis Youssoufou Kibingila David, journaliste ya Congo Live TV à l'est de la République Ndenge Bozotala, oyaza chargé Kopesabino Basango ya Bitumba Basango oyaza à l'est de la République ya ba situation sécuritaire. Nous disons un très grand merci de votre partie, nous disons un très grand merci de votre attention, très grand merci de votre fidélité. Laisse que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse les FRDC, qu'il bénisse le Wazalendo, mais également tout le peuple congolais, sans ignorer le président de la République. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée. À la prochaine pour un nouveau numéro.